3404 km de longueur. Il comprend 21 étapes, 7 étapes de plaine, 6 étapes de montagne, dont 4 arrivées en altitude, 5 étapes accidentées, 2 étapes contre la montre individuelle et 1 étape contre la montre par équipe. C'est parti avec Live Gaming FR sur la PS3. Eh bien, salut, j'en entre ici pour la 8e étape de Tour de France 2013, 100e édition. Donc, vous voyez, on se trouve, je l'ai déjà dit, 8e étape, montagne, le vent est nul et distance 191 km. Donc ça va être en début assez tranquille, il va y avoir le sprint assez vers le milieu. Par contre, vers la fin, ça risque de bien chauffer parce que, vous le voyez, il y a donc une première montée assez chaude. Après, une belle descente et après, de nouveau, une montée pour la fin. Donc, c'est bien pour les grimpeurs, très bien même. Donc ça, on verra qu'est-ce qu'on pourra faire avec Roland là. Sinon on a encore Gauthier qui est aussi un grimpeur ou Malakern, mais vous le voyez au niveau point ils sont pas aussi bien que ça, donc là où on peut espérer le plus c'est Vöckler et Roland. Mais comme on a le sprint à faire et puis pour le sprint ça va être chaud pour Roland, donc on va commencer par Vöckler là. Donc là je sais pas trop si bon on se prend ça pour le jaune. Puis après il faudra un truc qui donne pas mal de vert, mais ouais, bah, vous savez quoi, on va se prendre une banane et un pâte de fruits, comme ça c'est fait. Bon, je pense que en montagne on va avoir du mal avec Vöckler, donc ça on verra si on pourrait prendre Roland en espérant qu'il va pas se faire lâcher par le peloton après. Mais s'il reste dans le peloton, ça peut aller. Mais on verra déjà pour le sprint. Si on reste avec Vöckler jusqu'au sprint. Mais je pense que on pourra bientôt. Enfin, on pourra commencer à. Ah bah il y a Roland juste là. Il s'est un peu tracé. Ah non c'est bon. C'est pour les grimpeurs aujourd'hui. Il n'y a que deux cols mais c'est dans le final et c'est pas la force lesquelles. Le port de Payère et la montée vers Extra Domaine. Ouais bah ça je l'ai bien vu qu'il y a deux montées assez chaudes là. Donc ça on verra. Mais voilà on. Pour le sprint, je préfère quand même Vöckler, mais il faut voir. Faut voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être on prend... Où ils vont là? Allez le peloton, il faut pas qu'on se laisse faire là. Voilà donc ça reste à voir jusqu'à où on peut rester avec Vöckler ou si on prend Roland. Mais comme je voulais le dire avant, on va, je pense, assez vite faire une petite simulation. Une petite avance rapide. Juste l'histoire de... Parce que... Il y a trop de monde dans l'échappée pour que tout le monde s'entende. Sois attentif. Oh. Ça va sûrement attaquer pour former un groupe. Bon, il arrête de parler. Mais... Il commence à y avoir pas mal de mecs échappés. Le peloton risque de réagir. Ah bah, il va bientôt réagir, je pense. Voilà parce que pour la fin, ça
ça risque d'être chaud, donc pour l'instant on peut plutôt le faire tranquille. Donc on peut risquer une petite simulation. C'est pas si grave que ça. Donc là c'est vrai que j'ai pas encore pris le relais, donc on va prendre le relais un peu là, venez les gars. Même si je pense que le peloton il va pas nous laisser faire, donc pour l'instant c'est tranquille. Voilà, donc on va faire une petite simulation. Ouais voilà, on se fait. Non c'est bon, on reste devant dans le peloton. Là on a perdu un peu. Mais c'est pas si grave que ça. Il faut juste espérer qu'on tombe pas tout derrière non plus dans le peloton. Mais tant qu'on est dans le peloton, c'est bon. Après le sprint, il va avoir cette montée qui va être quand même très très chaude. D'ailleurs pour la fin aussi, donc c'est ça se voit que c'est pour les sprinteurs. Il y a un échappé là qui tente sa chance, puis lui il devient dangereux là avec ses 1 minute là déjà. Là, ça y est, il est à 1 minute. En fait, c'est pas si grave que ça, même s'il y a l'échappée. On va. Parce que, après, pour la fin, on pourra plus faire trop de simulations parce que. Pas forcément, ça devient un peu plus chaud. Par contre, là, il file toujours l'échappée. J'espère qu'il va pas le faire jusqu'à la fin comme ça. Mais je pense pas non plus. Pour l'instant, il a. Il arrive assez bien de tenir le rythme. On est encore à 35 km. Ah, il y a Chavanel là. Pas mal. Hachiro. Il y avait un petit moment. Bon, encore plus de 25 km maintenant. L'échappée, bah. Il arrive toujours à tenir le rythme. Mais même si. Il gagne le sprint, c'est pas si grave que ça non plus. L'écart augmente, pas de quoi t'inquiéter pour le général. Parce que même si on est bien classé, c'est déjà ça. Parce que c'est vrai que là, il est un peu loin pour le rattraper. Mais. On verra si on peut peut-être pas le rattraper un petit coup. Parce que Vöckler, normalement, on l'a pas trop besoin pour le grimpeur après. Il y a pas mal de monde d'Europcar là. Allez, on va tenter de s'échapper là. C'est parti. Par contre, bien sûr, ça reste à voir si c'est une bonne idée. Mais c'est pas grave. On va s'échapper là tranquille. Rien de méchant, juste pour bien se placer pour le sprint. On prend les commandes du général, c'est bien, continuez comme ça. Donc on va manger notre pâte de fruits. À 1 minute 55 du premier. Maintenant, on va nous manger notre petite pâte de fruits maintenant.
Encore 35 secondes, bah il est juste là. Très bien. On a plutôt bien réussi de s'échapper. Par contre, comme vous le voyez, on est bien fatigué là. Et je pense que lui, il nous laisserait pas de nous mettre tranquille derrière. Parce que... Ah non, ça va, il freine pas déjà, ça c'est bien. Parce que là, on pourra pas le tirer. Parce que on est vraiment mort là. Mais bon, on a quand même bien réussi à l'échapper là. On l'a rattrapé de 4 minutes là. Enfin, on était à 0 et maintenant on est à 4 minutes. Très bien. Donc, juste à espérer qu'il ne nous lâche pas. Ah putain. Allez, viens. Bon, j'en étais quasiment sûr qu'il va nous faire ça. Mais bon, voilà. Si on veut rester dans l'échappée, il faut qu'on joue le jeu. On est plus ou moins obligé. T'arrives au sprint intermédiaire. Essaye de prendre des points. Non, t'inquiète pas. Par contre, je pense que lui, il va essayer de nous les prendre, les points. Donc ça, on verra. T'es le meilleur sprinter de l'échappée. Tu dois arriver à remporter le sprint intermédiaire. Ah, quand même. Ok. Donc là, on est encore à 3 km. Voilà. Donc je me laisse quand même un peu tirer parce que sinon je vais être mort là pour le sprint. Par contre, à 1 km, il faut que je commence à bourrer. Bon, il me lâche. Ok, ciao, gars. On se retrouve après. J'ai juste encore le sprint à gagner là. Ah bah, il suit même pas, donc c'est tranquille. Ok, donc celui-là, on l'a gagné. Très bien pour Vöckler. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué. Par contre, maintenant, il faut qu'il vienne de nouveau. Par contre, nous, il faut que. Je crois que Chavanel était assez bien placé. En espérant que ça reste comme ça. Ouais, bon. Pas le mieux classé non plus. J'en vois un de Rocard là-bas. Mais attendez, je vais quand même essayer de rester avec lui. On va manger un petit coup. Essayons de se classer correctement, même si là, c'est quand même très très chaud, ouais. Merde. Ouais, non, là c'est chaud en fait. Ah, dommage. C'est pas grave. Essayer de se placer correctement encore. par contre, je me rappelle plus déjà. Chavanel, c'est notre sprinter. Donc, l'écart avec l'échappée est important, mais ça nous concerne pas. On joue le général, pas l'étape. Okay. Bah, je vais juste essayer de me sortir d'ici. Et peut-être, pourquoi pas, nous faire un petit sprint pour tenter de s'échapper. Même si seul c'est chaud et 5, même 6 minutes maintenant quasiment avec les premiers échappés, ça va être chaud de les rejoindre. Donc ça, je sais pas si on pourra, mais déjà peut-être tenter un petit échappé, ça peut pas être si mal que ça. Attendez, je vais faire un truc. Dommage qu'on voit pas comment ils sont placés les gars. Mais attendez, sélectionner. Merde. Est-ce que ça donne quelque chose si... Ah, je peux pas, je suis mal placé. Oh merde, ok. Alors je voulais tenter que ça donne. Mais il est trop mal placé, ok.
Donc là, c'est moi placé, là, les gars. Donc, on va juste se reposer encore un peu. Tête de peloton. Pour après partir. Mais bon, comme c'est un sprinter, ça va être chaud pour lui, là. Je sais même pas si c'est une bonne idée, en fait, parce que là, ça va monter pour le reste d'étape, à part pour la descente après. Donc, peut-être mieux prendre Roland. Lui, il a plus de chances de nous faire des points et voire même remporter l'étape. Parce que là, Chavanel, c'est quand même chaud pour lui. Comme c'est un sprinter et pas un grimpeur. Et puis c'est quand même une étape grimpeur. Ça se voit. C'est conseillé, mais en plus, si on regarde le profil de l'étape, ça se voit bien quand même. Et en plus, Roland, il s'est bien reposé. Il n'est pas du tout fatigué encore. Mais c'est normal parce qu'il était toute l'étape tranquille dans le peloton. Mais là, c'est parti. On va rester encore dans le peloton. Ah, ouh, lui, là. C'est Chavanel ou... Allez, viens. On s'en fout qui c'est. Il ne suit pas. Non, ok. Bon, c'est pas grave. On va tenter tout seul, alors. Ça, ça m'étonne pas. Mais bon, il faut pas non plus que je... Ouais, mais là, en fait, je fais ramener le peloton vers les échappés, c'est pas bon. En fait, je sais pas si c'est une bonne idée de partir maintenant. Ou s'il faut peut-être mieux rester dans le peloton jusqu'à sa monte. Que là on a fait venir le peloton en fait vers les échappés. Puis là on se retrouve un peu seul. Donc on va faire une petite simulation et on va voir qu'est-ce que la simulation va nous dire. Ouais bah on se fait rattraper par le peloton, c'est pas grave, on va rester dans le peloton, voilà. C'est pas si grave que ça. Pour l'instant les échappés ils tiennent un écart de 5 minutes, c'est plutôt bien. Après il y a bientôt le grimpeur qui va commencer. Ouh, par contre, Vöckler là et son compagnon, ils sont en train de perdre pas mal de trucs. Donc il faut faire ralentir un peu le peloton là, il n'y a rien à faire. En plus, nous on se retrouve derrière là, c'est pas bon du tout. Okay. Donc là, forcément, bah, le peloton il va essayer de rattraper Vöckler et. Et son compagnon. Bon, après, il faut dire que Vöckler, c'est notre baroudeur. Donc, pour lui, forcément, ça va être chaud de tenir jusqu'à la fin. C'est pour ça que, voilà, même s'il se fait rattraper par le peloton, on peut rien faire. On va pas le fatiguer jusqu'à la mort pour la montée. Un baroudeur, il va avoir forcément du mal à tenir pour les montées. Donc, voilà. S'il peut encore se placer correctement pour le grimpeur, peut-être encore, mais. Même ça, je pense que ça va être chaud. Donc maintenant, on va rester avec Roland déjà pour voir qu'est-ce que ça donne avec lui. Et puis, peut-être, pourquoi pas, s'il y a d'autres échappés, on va nous tenter une petite attaque avec eux en montée. Parce que Roland, il est plutôt bien niveau montée. D'ailleurs, c'est notre grimpeur, c'est pour ça. C'est normal. Ça revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour des leaders. Bah ça, c'est sûr. Et en plus, il faut dire que là, ça va bientôt commencer à monter. Ça monte déjà tranquille à 1,5. Ouais. Vous le voyez. En bas à droite. Pour l'instant, ça monte encore plutôt tranquille, donc du coup les échappés arrivent plus ou moins de garder encore leur écart, mais à partir du moment où ça va quand même commencer à monter sévère et ça va pas tarder, ça va être chaud pour les échappés. Mais après c'est Roland qui va tenter sa chance. En plus avec lui on a rien encore mangé, donc c'est plutôt bien.
Là, ça va être trop chaud de faire une simulation, donc on va le faire à la main, on va dire. Ça commence à monter tout doucement, soyez bien placé. Ouais, ça. Voilà, oh y en a un là qui tente quelque chose là ou. Ah non, il tire juste le peloton. Bah tiens, tu vas me tirer moi. J'ai pas envie de le ralentir non plus. Bon, mais c'est déjà bien. On en a un de Europcar, donc Vöckler qui est dans l'échappée. Il y en a un là qui est plutôt bien placé. Et puis il y a Roland là. Et je pense que lui, il aura le plus de chances de l'équipe de gagner le grimpeur. Et puis même voir peut-être après le grimpeur. Mais ça, ça reste encore à voir. L'échappée augmente son avance sur le groupe maillot jaune. Le groupe maillot jaune, c'est le peloton, quoi. Pourquoi le dire simplement si on peut le dire compliqué aussi, ça c'est vrai. Je crois que lui, il est chaud là pour faire une petite échappée avec moi là. Mais normalement, c'est pas ce que je voulais. Mais on peut tenter quelque chose. Mais même si ça va être chaud là, parce que le peloton, il va pas nous laisser partir. Il accélère juste. Donc ça fait juste perdre du terrain au échappé. Donc ça sert à rien du tout. Il devrait faire doucement là, le mec. Parce que si après. Fait juste avancer le peloton, c'est pas bon. Pour l'instant, le peloton il roule plutôt bien, tranquille. Tant qu'on tente pas des échappées de malade, c'est bien. Classement général provisoire. Vöckler il est premier pour l'instant, ça c'est bien. Oh là 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 là. Je me fais un peu entouré par Radio Shack là. Une équipe de malades là. Ils veulent nous tuer ou quoi. Par contre lui il devrait faire attention à sa force là, le mec d'Europcar. Je sais pas qui c'est, même si je pense que c'est Chavanel. Mais je suis pas sûr. Il devrait faire attention à sa force parce que. Là il est en train de tirer plus ou moins le peloton, non plus maintenant mais il tente à chaque fois de tirer le peloton. Ça va quand même le fatiguer plus ou moins. Donc là on va bientôt commencer le moment grimpeur. Parce que je trouve que là déjà ça monte pas mal mais si on regarde le profil de l'étape. On va se taper encore pire là, largement pire, pendant assez longtemps il faut dire, je trouve. Voilà, Radio Shack là, qu'est-ce qu'ils font? Le port de Payer n'est pas loin les gars, j'espère que vous êtes prêts. 15 km de montée à 8% de moyenne avec des passages à plus de 10%. Bon courage. Ah oui, bon, là il faut du courage parce que quand même en moyenne une montée de 8% ça en fait là. Quand même là ça va être chaud. Encore 18 km là maintenant. Ça commence. Donc là il faut garder toute sa force là. Bon par contre si c'est franchement Chavanel, il devrait arrêter de faire le malin là. Parce que lui en étant sprinter, c'est pas bon du tout. Bon peut-être c'est l'italien Balacerne.
Malacerne, désolé. Ou Gauthier. C'est nos deux grimpeurs encore, à part Roland. Mais bon. En tout cas, il devrait faire un peu plus attention à sa force, parce que là, il est en train de plus ou moins tirer le peloton. Bon, là, ça commence à monter quand même sévère. Donc là, pour les plus forts des grimpeurs, ça serait moyen de s'échapper maintenant. À 9%. Mais j'ai un peu peur là de tenter de s'échapper. Ah, quand ça monte comme ça. Parce que là, on va se tuer sévère. Pour l'instant, Vöckler et l'autre échappé, ils arrivent à plus ou moins tenir l'écart, même si ça descend tout doucement. Ah bah déjà c'est pas Chavanel, il vient de se faire lâcher, donc c'est pas lui, il vient. Donc c'est un inconnu, ça peut être Kern, notre contre-la-montre, ou alors comme dit nos crampeurs Gauthier Malacerne, ou Baroudeur Charteau, Arashiro Baroudeur ou Pichot classique. Mais je sais pas, il faut voir. Oh putain, ça je le sens pas là. À 9-10%, c'est chaud là. Putain, mais la montée quand même, ça fait peur. Et le peloton il roule quand même à 40 km à l'heure là en montée. C'est des malades. Bon, j'espère juste pas l'inconnu là de Rocard, il va pas se faire fatiguer à mort pour la fin et tout. Mais c'est bien s'il veut gagner des points au grimpeur, c'est bien. Je veux juste pas qu'il se loupe. D'accord, bon, il y en a plein qui sont lâchés. Bah, ça, c'est tous ceux qui sont pas faits pour. Ah bah déjà, on peut dire que c'est pas Gauthier et Pichot là avec nous. Chavanel, Arashiro non plus. Ah bah attendez, là on peut tout doucement. Donc il reste Kern. Ouais, il reste Kern. Mais ça c'est un contre-la-montre. Je pense pas qu'un contre-la-montre il est là. C'est peut-être Malacerne, le grimpeur d'Italie. Mais bon, on s'en fout, de toute façon, tant qu'il nous fait des points, peut-être. Bon, après, c'est pas. Tu dis qu'il va tenir, mais s'il nous fait des points, c'est bien. Et on a un de Saxo qui est juste devant, là. Encore 9 km. Là, ça monte quand même assez sévère, il faut dire. Bon, Roland, il arrive assez bien à tenir le coup. Bon, en même temps, il faut dire qu'on s'accroche au mec. Mais je trouve que quand même, il arrive à assez bien tenir le coup. Et puis l'autre de Robcar, là, il tient aussi assez bien le coup, je trouve. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Donc, c'est Charteau qui vient de se faire. Ouais, bah, il reste plus que Karn et. Elle va avoir du mal à résister au retour des leaders. Voilà, c'est. Donc, je pense bien que c'est l'Italien. Parce que comme lui c'est un grimpeur, il y a moyen que c'est lui. Très bien. Parce que il faut dire qu'un sprinter il tient pas à ce rythme là à 9% de montée. Mais voilà. C'est des belles images quand même. On est encore à 7,5 km là maintenant. Avant le grimpeur. Oh là là là, ça c'est des échappés ou. Le maillot jaune attaque déjà, il est complètement fou. Ah, j'aime bien, alors là j'aime bien notre manager, il est complètement fou. Le maillot jaune attaque déjà, mais il est complètement fou. Bon, par contre, nous on va aussi être fou là, on va attaquer aussi. C'est les coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Ah, bah, ça c'est sûr. Oh non, l'autre il a lâché de Rocard. Ouais. Ah, dommage.
Là, on va se mettre avec lui. Donc là, le peloton, il est en train d'accélérer bien là quand même. Je pense que c'est moi qui l'ai fait accélérer. Le problème, c'est que là, Vöckler et son échappé perd un peu du terrain là. Même bien, on voit bien les secondes partir. Doucement mais sûrement. Et ça, c'est pas bon. Il reste plus que 5 km là. Ça va être chaud. Même très chaud. Avec Roland, je vais pas encore manger quelque chose parce que... C'est qui? C'est Kern. Bah ouais, bah, c'était mal à Cern. Parce qu'en fait, toute l'équipe vient de se faire lâcher. Il y a juste Vöckler et Roland qui tiennent encore à peu près le coup. Le reste, ils sont là. Kern... Ah bah Malacern aussi. Il s'est fait lâcher donc. Peut-être c'était Kern en fait. Charto il est là. Gauthier il est carrément dernier. Oh là 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 là, quelle équipe. Et puis Contador il tente de s'échapper là. 3 minutes avant le crimpeur. Oh là 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 les gars, pourquoi vous accélérez comme ça? Bon je suis obligé de me tuer là. Sinon, je peux pas espérer d'avoir des points pour le grimpeur. Et puis ça, j'aimerais bien quand même avoir des points. Ah bah, ouais, c'est normal. Je crois que c'est là-bas. Il y a Vöckler et son compagnon. Donc là, on y va. Je vais quand même manger mon pâte à fruits. Pâte de fruits. Le peloton roule fort, restez bien placé les gars. Même si normalement je voulais le garder, mais là. À 1 km, il faut pas. Ok, 1 km maintenant. C'est parti. Contador il va essayer tout là pour. Allez. Je suis en tête pour l'instant. Oh là, par contre, j'ai plus de jaune. J'ai plus de jaune du tout. J'espère pas qu'on va se tuer. Allez, go, 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 go. Ok, c'est bon. On l'a. Vöckler, il est encore dans les points. C'est très bien aussi. Donc, j'aimerais bien m'accrocher à quelqu'un. Tiens, voilà. Très bien. Ah bah, ça, c'est normal qu'on ne peut plus le perdre. Il y a juste un sommet. Donc ça c'est plutôt bien. Par contre j'ai déjà remarqué que les grimpeurs c'est pas les meilleurs descendeurs. Donc ils ont plutôt du mal à suivre le rythme des gens qui descendent. Mais bon je m'accroche quand même. Parce que moi les descentes c'est pas trop mon truc. Souvent je perds pas mal de temps à freiner et tout. Donc je préfère m'accrocher comme ça. Bon, c'est bien. On en a deux Europcars dans un groupe de 4 d'échappés. C'est très bien. Ça serait même cool si on pourrait le tenir jusqu'à la fin, même si ça va être très très chaud. Surtout pour Vöckler. Parce que, bon, Vöckler, c'est pas notre grimpeur. Donc, pour un baroudeur, ça va être chiant. Une fin comme ça. Mais bon, on verra ce que ça donne. On pourrait manger notre banane maintenant. On est encore à 18 km avant la fin. J'ai notre banane maintenant. Là, on est tranquillement au temps.
On est à 1 minute du peloton. On a encore 15 km à tenir. Ça risque d'être chaud. Surtout que là, on a bientôt fait la descente. Donc, il y a bientôt la montée qui va commencer. Fait prendre Vöckler. Tes adversaires aimeraient que tu prennes plus de relais. À toi de voir. On approche de la fin, c'est chacun pour soi. On va manger notre banane avec Vöckler. Mais par contre, si j'ai bien vu, il y a Malacerne et Karn qui sont dans des échappées. Ah oui, d'accord. Oh là, mais il y en a plein. Mais déjà, ça c'est bien. Ils sont dans des échappées, donc ils sont plus derrière le peloton. C'est très bien. Donc là, par contre, Vöckler, il va avoir bien du mal là. Mais ça se voit en plus que Roland, il y a pas tellement mal que ça. Donc lui, on le prend là maintenant. Parce que Vöckler. Les autres ne veulent plus rouler car tu ratonnes trop selon eux. De toute façon, on arrive dans le final. C'est plus le moment de collaborer. Oh là, ils sont en train d'essayer de me lâcher ou quoi. Bon, par contre, Vöckler, il va avoir du mal là. De tenir le coup. Attaque! Attention, c'est pas le moment de te regarder! Bon, là, il y a Contador. Ça risque de provoquer des cassures. Oh là là! Chute collectif. Contador, il gère là quand même. Il va essayer de gagner l'étape. Mais moi je peux pas accélérer plus que ça parce que vous voyez ma force est déjà limitée là. Donc ça, ça reste à voir. Mais si on arrive déjà à être deuxième, ça serait déjà super cool. Vöckler, il arrive toujours à tenir le coup, ça, ça m'étonne, mais c'est cool. Après, sinon, on a qui encore dans les échappées? Ah oui, mais en fait, on a 7 minutes 40 sur le peloton. Ça, c'est bien. Le peloton, il est loin quand même. Par contre, là... Contador, il fait son malin là. Il croit être le plus fort. En plus, c'est un peu le cas. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas risquer de me fatiguer à mort là. Au pire, voilà, s'il gagne, c'est. Il gagne quoi. On va faire. Là, il n'y a plus que 3 km. Bon, il gère quoi quand même, il file. J'ai du mal à le suivre. Mais il n'y a rien à faire là, on est obligé plus ou moins de le laisser partir. Je vais pas tenter de perdre mes places encore. Donc même si on est deuxième, bon, on est deuxième quoi. On tente encore une petite attaque. On a plus de jaune là. Dommage. En plus, il y en a d'autres qui arrivent là encore. On va essayer de me prendre ma place. Il ne double pas.
très cool. Il arrive là. Il arrive de plus en plus. Allez, c'est parti. C'est bon. Voilà. Donc Roland deuxième. Plutôt bien. Veuclair 8ème. Deux de Rocard classés dans le top 10. C'est très bien. Je vise pas forcément au plus. Donc tant mieux. Par contre là, je pense qu'on doit attendre pas mal de temps parce que jusqu'à tout le monde y arriver, ça va mettre du temps, je pense. Donc je vais juste espérer qu'il n'y a pas trop de monde qui s'est fait lâcher. Mais à première vue, vers la fin, ça allait plutôt mieux. Parce que vous l'avez vu, il y avait Kern et l'Italien dans les échappées. Et pourtant, Kern, c'est un contre-la-montre. Donc, c'est bien pour lui. Mais bon, on verra où sont placés les autres. Parce que les autres, je les ai pas trouvés dans le classement. Mais comme d'habitude, on va tout de suite regarder le général. Et puis aussi, le classement de l'étape, bien sûr. Donc, on a le maillot à poids rouge. Très bien. Celui-là, on ne le lâche pas. Il est déjà habitué à nous, donc on va rester avec lui. Voilà. Faire un doublé sur une étape avec P. Roland et Veuclair. Très bien. On va se regarder. Mais cette petite huitième étape, elle m'a bien plu. Elle était plutôt réussie. Donc d'abord, on va regarder cette étape. Alors, deuxième Roland, Veuclair huitième. Donc, Kern 32e, Malacerne 34, Charteau 49, Gauthier 89. Pichot 112, Arashiro 126, Javanel 133. Putain, mais lui il lâche quand même à la fin. C'est dommage. Ok, donc c'est plutôt bien. Montagne, Roland en premier, lui garde sa place. Par contre, Contador, il est à un point de Roland. Donc, pour les prochaines étapes, il faudrait gagner quelques grimpeurs avec Roland quand même, parce que ça va être chaud. Par contre, Veuclair, il a perdu aussi sa place de deuxième, enfin il était troisième ou un truc comme ça. Donc Veuclair et Roland, il faut qu'on gagne quelques points avec en montagne. Donc niveau points, Veuclair... Ah non, 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 je me suis trompé en fait. Roland, il a fait 41 points en montagne dans cette étape en fait. Je suis con. Désolé. On va tout de suite regarder le général de, bon, en montagne. Mais ça pour l'instant, voilà. Donc là, les points de cette étape, Veuclair premier et quatrième Roland. Plutôt bien. Équipe, on est deuxième dans cette étape. Très bien aussi. Combativité, on n'était même pas premier. Bah ça aussi, c'est bien. Ok, donc là, général, Roland 4ème, 7ème Veuclair. Putain, Roland, il a rattrapé là tout. Vous le voyez que tout est ouvert, à toutes les étapes, ça change un peu, donc voilà. Donc, Contador, il est premier là. Kern 41, Malacerne 54. Charteau 81, Gauthier 123 et le reste, j'ai même pas envie de voir. Montagne, Roland, il est toujours premier. Et puis voilà, là c'est un peu plus réaliste. On l'arre bien, Contador, ça c'est bien. Donc il y a. On en a même
plusieurs de Europcar qui sont dans le classement de montagne. Donc il y a premier Roland, troisième Vöckler, Charteau 15e, Gauthier 17e et Kern 21e. Bon, avec un point quoi. Donc niveau points, Vöckler 5e, Roland 16e, Chavanel 43. Ok. Attends, Chavanel il est bien en points, mais en général il n'est pas trop encore. Donc équipe deuxième et combativité, bah, y a Vöckler et Roland qui sont premiers, Chavanel 11e, Charteau 40e, Gauthier 68e. Ok, donc maintenant on va vite faire voir qu'est-ce qui nous attend pour la prochaine étape. Ouh, d'accord, il y a pas mal à faire là pour les grimpeurs. Mais il faut pas oublier que peut-être on fait aussi un ou deux points avec Vöckler pour qu'il remonte un peu dans les points. Parce que Roland, on est bien déjà dans les points niveau grimpeur. Et puis un sprint après une descente de grimpeur. Ouh, par contre là c'est quand même une étape assez chaude là. Profil montagne, ça se voit, distance 166. En plus elle est pas très très longue, donc c'est assez vite tous les montagnes. Donc la prochaine étape, elle va être très serrée et très très intéressante, je pense. Donc les favoris sont Astana, FDJ, Euskaltel, avec Sanchez, Pinot et Nibali. Et importance, il y a le maillot jaune et comme aussi le maillot à pois rouge avec 3 points et puis le maillot vert avec une étoile. Ok, très bien. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et un commentaire comme d'habitude. Ça me fait plaisir de vous présenter les étapes du Tour de France et j'espère que vous aussi ça vous fait plaisir. Regardez la Tour de France, le Tour de France aussi en télé si vous voulez, mais surtout sur YouTube parce que ça c'est quand même le plus important. Enfin bon, je suis un YouTuber donc c'est normal que je dis ça en fait. Donc bref, salut les gens et à très très bientôt.